ルカがあの島に行ってしまいました。あの島に。無理を承知でお願いします。ルカを助けてください。Bonjour et bienvenue, on est reparti dans Project 04. Donc on est un nouveau personnage. Alors, faut voir. On commence. C'est quoi ces bruits? Ça commence déjà. On est devant le bâtiment. Suivez l'homme ressemblant à Yo Aibara. Ça marche. Et on est Shoshiro Kirishima. Le jour enfoui. Et on n'a rien pour le moment. Ah, attends, j'ai du soin. Ah non, non, c'est les poupées en bas à droite. J'en ai trois. Ok, ça marche. Ok, c'est parti. Oh. C'est mon carnet. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Alors, coupure de presse. Les fillettes retrouvées. La nuit dernière, les cinq fillettes qui avaient disparu, voilà deux semaines, ont été retrouvées saines et sauves. Voici leurs noms. Misaki Azo, Tomoe, Nanamura, Mari, Shinomiya, Madoka Tsukimori et Ruka Yomotsuki. Elles avaient disparu le jour de la tragédie du Kagura de Rogetsu. Certains attribuaient leur disparition à des forces surnaturelles. Les cinq filles ont été retrouvées la nuit dernière vers 23h. C'est le brigadier Shoshiro Kirishima, donc lui, de la police criminelle d'Amanura, qui les a découvertes et identifiées dans les sous-sols de la clinique Aibara. D'après la police, de lourds soupçons pèsent sur le personnel de la clinique et l'enquête se poursuit en ce sens. Okay. Il contient des informations sur les éléments clés de l'histoire. Il se remplit au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Le carnet. On a des... Ok... Phase 3, le jour enfoui. Ok, donc on fait partie de la police. Et la mère nous a demandé... La mère de Ruka nous a demandé de la retrouver. Mais il sait pas c'est quoi exactement le jour du Kagura. C'est ça que je voudrais bien savoir. Alors, archives, carnet, personne, profession médecin, directeur du cabinet Aibara, Tokyo. Ah, ok, attendez. Comme ça. Je réponds à une implication présumée dans la mort des trois patients lors d'opérations chirurgicales contraintes à toute déontologie. Probablement sur l'île le jour de Kagura de Rogetsu. Son père Shigeto dirige cette île ainsi que l'hôpital. Joué d'une énorme influence dans la région, fournit peut-être un soutien financier à son fils. D'accord. Bon, on va pas tout lire, hein, mais ça c'est bien ça. Les ouvriers du bâtiment travaillaient à une extension souterraine de la clinique, a laissé une lettre dans laquelle il avoue être l'auteur des enlèvements avant de se suicider. L'affaire paraît close. Ruka, 17 ans. Ruka se dirige vers l'île de Rogetsu à la poursuite de ses amis. Sa mère Sayaka m'a demandé de la retrouver et de la ramener saine et sauve. Je la connais depuis l'affaire des disparitions il y a 10 ans quand j'ai trouvé Ruka. Elle n'a pas changé depuis. Sa maladie est en rémission, mais elle est toujours clouée au lit.
Ma cliente actuelle m'a demandé de retrouver sa fille, Ruka, et de la ramener. Des fois, je lis les choses dans le désordre. Je regarde s'il y a des choses intéressantes, et des fois, je remonte, en fait. Donc, les disparus... J'ai fini par trouver la grotte sous la clinique Aibara, et c'est là que je les ai trouvés. Ok, donc il y a une grotte sous la clinique. C'est bien parce qu'on en apprend, en fait, sur la topographie, c'est intéressant, ça. Alors, l'île principale de l'archipel de Rogetsu, historiquement... a eu peu de contact avec la métropole, d'où cette culture locale unique et immuable. L'île a pris de l'importance après la construction d'un sanatorium. Donc c'est ça, c'est un sanatorium en fait, le pavillon Rogetsu. Et après qu'on a promu la danse rituelle du Kagura de Rogetsu au rang d'attraction touristique. La plupart des patients souffrent du syndrome Sélénite, une maladie propre à l'archipel Rogetsu. Ça c'est super étrange. Dans de nombreux cas critiques, les patients finissent par se suicider. Le patient finit par se suicider. D'accord. Un arrêt cardiovasculaire. Non, cardio-respiratoire, pardon. Pas pareil. C'est pas exactement pareil. D'accord. Ah, c'est vachement sympa ça. C'est vrai que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnages. Et des fois, les cinématiques font pas trop l'effort en fait d'expliquer. Genre comment les personnages sont liés entre eux, ou même l'année, hein, l'année où ça se produit. Genre on sait pas, le jeu nous le dit pas, enfin pour l'instant il n'y a pas eu d'informations je crois. Donc j'ai dû regarder le wiki pour ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. On va écouter les cassettes. Note d'enquête de Shoshiro. しかし、灰原はこの島にいるような気がする。これは俺の勘だが、冷酷なやつほど窮地に立つと何かにすがりたがるものだ。 Donc Aibara serait plus ou moins le gros méchant de l'histoire. Ouais, Aibara serait le gros méchant de l'histoire, un peu le fils à papa avec le père qui est riche. Donc du coup, le fils peut faire un peu ce qu'il veut. Il aurait apparemment fait mourir des gens en les opérant. Fais voir les résumés un peu. Ok, donc ils font des résumés des phases aussi. Super intéressant, c'est cool, j'aime bien. Mais une fonction de lecture et d'enregistrement. Ok, on avance. Toujours aussi. J'ai cru voir un truc à droite. Toujours aussi plaisant, hein, c'est bien. Tout va bien se passer, comme d'habitude. T'es un policier, t'es venu sans armes. Enfin, après, c'est vrai que ça va pas t'aider, mais bon. T'as pas un petit pistolet de service ou même une arme de. Une arme de poing. Une lampe torche. Kirishima-san, kore wo. Ano shima no hito tachi wa mou saite shimatte iru kamoshirenai. Ah, ont déjà éclos. Ah. Elle est jolie la lampe. Donc elle est au courant, la mère elle est au courant de ce qui se passe. Alors, torche spirituelle. Torche spirituelle est un instrument pourvu d'une pierre spirituelle émettant une lumière qui repousse les esprits. Appuyez sur il faut brandir les uns, puis pour relâcher le, pour émettre un flash lumineux.
D'accord. Plus longtemps pour regagner. Bon, vous garderez le vent foncé plus la surface du flash floor étendue. Je me demande si. J'essaye de me rappeler s'il y avait d'autres instruments dans les Project Zero. Il y a toujours eu la caméra, évidemment. Mais est-ce qu'il y avait eu autre chose? Je me rappelle plus. Je crois que si, mais là j'ai un doute. Je crois que dans le 5, il y avait quelque chose d'autre. Merde, il y en a deux. Waouh, il y en a trois! Fichier double. Oh merde, éclos. Est-ce qu'il faut que je charge? Comme ça. Allez, allez, la lampe! Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus faire un cliché là? Ah, ok, allez. What the fuck? Attends, je peux plus faire de cliché là. Oh la vache! Attends, c'est parce que j'étais pas assez proche? Attends, pourquoi ça marche pas avec elle? Je comprends pas ce qui se passe. C'est la vie que je vois là de d'elle? Mais je comprends pas pourquoi je peux pas. Attends, attends, attends. Je comprends pas pourquoi. Je peux plus le faire là. Je fais la gâchette, mais ça le fait plus. Comment ça se passe? Attends. RT, recherche, pour émettre un flash lumineux. Oui, c'est ce que je fais, mais après, maintenant ça le veut plus. Plus longtemps vous garderez le RT enfoncé, plus la surface du flash sera étendue. Oui, mais bon. On dirait qu'il n'y a plus de piles. Ok, là ça marche. Là je peux pas le faire. Par exemple. Je comprends pas. Ah, c'est en bas à droite le charge, la charge, je crois. Ouais, c'est en bas à droite. Ok, d'accord. Faut qu'elle se recharge. C'est ça? Oh mon dieu, la galère. Là, les charges. Là, il y a une petite partie de charge. Ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est ça l'éclosion dont parlait Sayaka? Mais qu'y a-t-il bien pu arriver aux habitants de cette île? Est-ce que ça aurait un rapport avec la présence de Aibara? Quelque chose est tombé à l'endroit où l'esprit a disparu. Vous avez trouvé l'objectif photo. Alors, lorsque Choshiro équipe l'objectif photo, il lui devient possible de prendre des photos pour attaquer
Des specs, mais pas de retirer l'objectif photo. Échanger. Voir un peu. Très étrange. Alors, permet de prendre des photos avec la torche spirituelle. Intéressant. Alors, indique la quantité de dégâts infligés à un esprit. Scan et permutation permet de monter plusieurs objectifs en même temps et de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est au maximum pour prendre plus des photos avec la torche. Okay, ça marche. D'accord. C'est sympa, c'est sympa. Par contre, ouais, faut qu'elle se recharge. Genre, je perds de la charge quand je fais ça? Ou pas? Non. Mais elle a l'air de se recharger plus vite quand j'arrête de la pointer en fait. On va faire ça. Échange. Carnet de poupée. On a 125K. On pourrait prendre le carnet de poupée. Mais bon. On va voir. J'ai pris un soin de plus parce qu'on avait vu quand même que c'était un peu compliqué. Alors, nous vous prions de faire preuve d'une extrême vigilance qui concerne les patients atteints du syndrome sélénite déambulant la nuit. Lorsque vous êtes de garde de nuit, veuillez vérifier dans quelle phase se trouve la lune. Les nuits de pleine lune, assurez-vous que toutes les portes sont solidement verrouillées. Les nuits où la lune est obscurcie, veuillez augmenter la fréquence des rondes. Sûrement un truc derrière en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un flashback ça? Ouais, c'est un flashback. Quand l'élévateur de Chika a caché le endroit où il est tombé, Luca a trouvé l'endroit. Si Haibara est encore dans cette île, alors... Vous êtes aussi malade. Non, c'est par là que je voulais aller, moi. Ah non, on peut pas y aller. Je pensais qu'il y avait une porte à droite. Par derrière, peut-être. Non. Fermé à clé. Vous imaginez, parce que je vais être honnête, l'ambiance est top, le jeu est top, mais j'avoue que la qualité des textures laisse quand même vraiment à désirer. Encore une fois, ça vient. De la Wii à l'origine, mais j'avoue que des fois ça fait un peu tâche en fait, pendant les cinématiques et tout. Surtout que les personnages, bon, bien sûr, sont bien modélisés et tout ça, et puis les textures sont bonnes, mais quand on voit le décor et tout, des fois le décor est très très moche. Enfin non, c'est pas qu'il est moche, c'est qu'il est de très mauvaise résolution. C'est genre sûrement du 420, un truc comme ça. C'est vraiment très très moche, dans ce sens-là. J'avoue que c'est un peu triste en fait de voir ça. Genre le 5 était mieux quand même. Bon, après c'était sur la Wii U était un peu plus puissante, mais ouais, on aperçoit les étagères pleines de médicaments et de dossiers. Ouais, donc il faudrait atteindre cette porte là en fait. Bon, ça, on verra ça plus tard, mais ouais, j'avoue que ça fait un peu tâche quand même des fois. Ça me
Normalement, j'aime bien jouer aux jeux PS1 et tout ça, moi il n'y a pas de problème. Donc je suis pas vraiment un snob genre pour les graphismes et tout ça. Mais des fois c'est un peu trop flagrant. Genre par exemple là la porte, normalement ça c'est sûrement du verre. En fait c'est une fenêtre qui est cassée. Mais bon, on voit que c'est très 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 basse résolution quoi. Très peu de pixels là-dedans. Donc ouais, c'est un peu embêtant ça. Et je me dis que vous imaginez un nouveau Project Zero? Genre, bah l'ascenseur doit pas marcher. J'imagine, vieil ascenseur. Vous imaginez un Project Zero tout nouveau? Genre, de nouvelle génération? Ça pourrait être vraiment vraiment bien. Parce qu'ils arrivent à faire un super boulot avec sur des consoles qui sont pas puissantes du tout. Hein, faut le dire, hein, faut être honnête. Alors vous imaginez un tout nouveau Project Zero avec les nouveautés d'aujourd'hui, enfin, la puissance des consoles d'aujourd'hui ou du PC, enfin de nouvelle génération quoi, en général. Qu'est-ce que ça pourrait être bien? Qu'est-ce que ça pourrait être top? Rajouter des nouvelles mécaniques, des nouveaux effets. Et ce qui est bien avec les Project Zero, c'est que ça a toujours été bien. Bon. Bien séparé des genre Resident Evil ou Silent Hill. Silent Hill, on peut dire que c'est genre plus horreur, psychologie et tout ça. Donc c'est plus éloigné d'un Resident Evil. Et puis on peut dire que Project Zero, c'est peut-être un peu le même système. Mais au final, non, parce que ça fait partie du côté fantôme et tout ça. Donc même Project Zero a sa propre catégorie, je trouve ça vraiment cool. Donc ça vaut le coup d'avoir des nouveaux jeux en fait. Ça vaut le coup de continuer la franchise. Ah, toi je te connais. Ça a marché ou pas? Ah là. Ça marche pas. Ah. Très bien. Alors, suite à mes travaux de recherche sur le système nerveux central, j'ai été officiellement nommé assistant du docteur Aibara au sein de la clinique Aibara sur l'île de Rogetsu. Le docteur Aibara est le plus grand spécialiste du syndrome sélénite, un trouble de la mémoire propre à l'archipel de Rogetsu. D'après mes lectures, le syndrome sélénite semble être une maladie mentale complexe, présentant d'étranges symptômes, comme des pertes de mémoire ou des crises de somnambulisme. Toutefois, il persiste un grand nombre de zones d'ombre sur cette maladie. Pourquoi est-elle localisée à l'archipel de Rogetsu? Quels en sont les déclencheurs? L'approche du docteur Aibara face à ce syndrome est très particulière. Les traitements qu'il a mis au point, comme la musicothérapie fondée sur les mélodies de lune, une musique traditionnelle de l'île de Rogetsu, sont sans précédent. J'ai le sentiment qu'il pourrait être le point de départ d'un nouvel essor pour la psychiatrie moderne. Ces recherches pourraient non seulement mener à un traitement de cette maladie, mais également démontrer l'influence qu'exerce la mémoire sur l'esprit. C'est vraiment passionnant. Je suis sûr que travailler avec le docteur Aibara m'apportera, pardon, une précieuse expérience que je n'aurais jamais pu acquérir en métropole. Bah, j'avoue que. Donc là, nous, ça se passe en 1980. Donc ces expériences et tout ça, ça doit. C'était sûrement en 1970, du coup, parce que je crois que quand les filles ont été retrouvées, c'était il y a 10 ans, comme le mec en parlait. Enfin, il en parlait dans un journal. Et elles avaient 7 ans, et maintenant elles ont 17 ans, donc je pense que c'est bien il y a 10 ans. Donc dans les années 60-70, je pense qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait en médecine, surtout quand on était sur des petites archipels, genre des petits villages ou des trucs comme ça.
où bah, les mecs c'était plus des charlatans qu'autre chose. Hein. Je suis sûr qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, le mec, donc ouais. Surtout pour tout ce qui est psychiatrie. Parce que tout ce qui est psychiatrie, c'est récent en fait, hein, quand on y pense. On comprenait pas vraiment le cerveau humain de ça il n'y a pas très très longtemps. Alors, nom Izuki, prénom Azagi. Féminin, 6 ans, ancien bâtiment, chambre 2. Présente tous les symptômes caractéristiques du syndrome sélénite, perte de mémoire, peur irraisonnée des miroirs. Les symptômes progressent à un rythme modéré. Une intervention chirurgicale sous la direction du professeur Aibara est programmée la semaine prochaine. Des interventions sur des patients gravement atteints ont déjà été pratiquées à deux reprises sans produire de résultats satisfaisants. Une intervention pratiquée sur une patiente présentant des symptômes à un stade moins avancé pourrait permettre de trouver un traitement précoce au syndrome sélénite. Toutes les personnes impliquées sont donc priées de prendre des notes détaillées et de présenter leurs conclusions sous forme de rapport. Mais rien que ça. Rien que ça. Genre le mec, il a déjà fait deux. Il a déjà fait une intervention chirurgicale à deux reprises sans conclusion satisfaisante. Et c'est peut-être. Bah, les deux sont peut-être morts et la troisième qui va se faire charcuter va sûrement mourir aussi. Parce qu'apparemment, il a tué deux personnes, deux ou trois personnes. Rien que ça, de nos jours, ça n'existe pas ça de faire ça. Genre, c'est pas tu vas tester jusqu'à que ça marche. Il va falloir faire des recherches quand même. Il va falloir faire attention, tu vois. Donc, ouais, non, ça coïncide bien avec l'époque, c'est cool. Sympa. Ah, c'était le fun avant. Aïe, aïe, aïe. Ce document est strictement confidentiel et son contenu ne doit en aucun cas être divulgué à la patiente ou à ses proches. Ah, ouais, carrément. Donc, on ment même à la famille, c'est bien. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On peut laisser charger. Non. Si je fais ça. Donc, c'est quoi le mieux? Faudra voir, faudra tester avec. Enfin, en mode photo et en mode pas photo, là. Aux cheveux longs. Je ne veux pas d'opération. Patients, ils ont longuement lutté contre le syndrome sélénite à présent. Il ne sait même plus qui il est. Femme née sur l'île d'Ouagadougou, elle a été frappée du syndrome sélénite sur la plage. Elle attaque tous ceux qu'elle croise et veut leur infliger la même souffrance qu'elle a endurée. Après, on a Yuriko Sonohara en mode éclose. On a Ayako, fillette qui éprouve un grand plaisir à briser ses jouets. Elle s'attaque à quiconque entre dans sa chambre. Ok, pour les fantômes. Fillette aux cheveux longs, aux longs cheveux noirs. Elle espère que quelqu'un avec qui elle pourra jouer viendra lui rendre visite. Enfin, c'est surtout, elle n'a pas envie de se faire opérer. Hein. C'est surtout ça. Avant-hier, j'ai eu une opération. Les autres qui ont eu une opération étaient encore plus malades. Alors moi, je voulais pas d'opération, mais le docteur, il a dit que ça ira. Ça irait, pardon. Fou, là là, j'ai du mal. Depuis que j'ai eu l'opération, c'est tout rouge dans ma tête et j'aime pas ça. Et aussi mes cheveux, ils sont tombés et quand je pleure, il y a du sang qui coule. Waouh, elle s'est bien passée l'opération. Hein. Oh la vache. Mes mamans et le docteur, ils ont dit que c'est pas grave. Ma tête est toute rouge. C'est comme si elle allait fondre. Ça fait mal. J'aime pas ça. J'espère que ça va disparaître. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour les soigner?
Avant l'opération, l'assistant, tourmenté par l'incertitude liée aux méthodes de traitement, fait les 100 pas à travers la clinique. Ah, tu m'étonnes. En plus, vu que la Kaiba là, ben, je sais pas, je sais que c'est pas Kaiba, mais genre le grand méchant là, c'est le fils d'un mec super puissant qui détient l'île et tout, qui est plein d'argent. Donc du coup, bah tu fais un peu ce qu'il dit quoi. Aibara. Kaiba, c'est autre chose. Aibara. C'est horrible ces images. Qu'est-ce que tu me fais? Passe. J'arrive pas à tourner. Ah d'accord, c'est comme une cinématique qui se jouait en fait. C'est pour ça que je peux pas. Assistant à la zone fumeur. Pour passer le rideau, là, c'est comme si c'était une cinématique qui se jouait en fait. Je peux pas tourner sur les côtés. C'est pour ça que j'avais du mal à passer. Alors. Shoji Katagiri, l'assistant du docteur Aibara, il se tient là, s'interrogeant sur le bien fondé de ses actions. S'il faut, il a fini par se suicider parce qu'il supportait pas le fait d'avoir fait autant de mal. Alors, dans le cendrier, une petite clé enveloppée dans un morceau de papier. Plan de la clinique, est-ce que ça va nous montrer? Ok. Salle de préparation, elle doit être au premier niveau. Comment ils font les étages au Japon? C'est comme nous? Ou c'est comme en Amérique? Niveau 2. Niveau 1. Niveau 1, c'est le rez-de-chaussée. Niveau 1, c'est le rez-de-chaussée. Après, t'as sous les escaliers. J'arrive pas à comprendre comment est connecté, genre. Non, ça c'est le pavillon et ça c'est la clinique Aibara sous sol. Clinique Aibara niveau 1. Je comprends. Oula, je comprends pas où on va là en fait. Voilà, je. Ah, ouais, il veut pas me laisser tourner quand il a engagé son mouvement avec son bras en fait. Ah la putain de merde. Ça lui fait rien. Ok, donc prendre des photos, c'est juste pour prendre des photos des fantômes en fait. Oh là. J'ai une boule chargée, je sais pas ce que c'est. En bas à gauche, je sais pas à quoi ça sert. Donc prendre des photos, ça a l'air de pas servir à grand chose pour combattre. Comme par la fenêtre. Katsuhito Kiriya, un patient errant dans les couloirs de la clinique, il observe son reflet dans la vitre.
Ok, au revoir. Descendre. On va les sauvegarder, après il faut que je scrute un peu la... Ah, putain. La carte. Ah, plein de trucs. Combien 125 heures. Ok. L'assistant du docteur Ibarra se dirige vers la salle d'opération où il s'apprête à pratiquer une intervention sur un patient atteint du syndrome sélénite. Bon, du coup, c'est par là. Ah oui, d'accord, du coup on le fait à l'envers en fait, je me disais aussi. Donc ça c'est la clinique, et après la clinique elle va... Elle est reliée au pavillon, du coup. Ou alors, comment on y va au pavillon? Genre depuis la clinique. Enfin voilà quoi, il y a la clinique et le pavillon de toute façon, il y a deux endroits. Où les murs, ils faisaient des choses bizarres. Attendez, on va regarder un peu la... Non, pas ça, la torche. Améliore le temps de chargement de la torche spirituelle, énergie lunaire. Paraît intéressant. C'est quoi, 5? La puissance? Au moins la quantité de dégâts maximum infligés aux esprits. On peut prendre ça. Voilà. Je vois rien. Ok, je crois qu'on a 3 soins, du coup. Oh là là, oh mon dieu, 8 pages! Oh là là! Alors, enquête des autour des mystérieuses disparitions en masse, 6 mois se sont écoulés depuis la disparition sur l'île de Rugatsu, la police a clos le dossier... Et l'affaire est sur le point de tomber dans l'oubli. Mais nous avons mené l'enquête et découvert une sombre histoire macabre qui pourrait être la clé du mystère. Une étrange maladie, le syndrome sélénite. Notre attention a tout d'abord été attirée par l'existence d'une maladie étrange qui existe que dans l'archipel Rugetsu, le syndrome sélénite. Selon les spécialistes, il se présente comme une forme d'amnésie accompagnée de symptômes uniques, comme des crises de somnambulisme durant laquelle les patients agissent comme s'ils étaient possédés.
Le retour du désastre de la légende de Rugetsu. Selon les folkloristes qui ont étudié l'histoire de l'archipel, on redoute depuis toujours cette maladie comme la peste. Une légende raconte aussi que suite à un mystérieux incident, plus de la moitié de la population de l'île a complètement disparu. Une épidémie de syndrome sélénite. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une propagation endémique du syndrome sélénite? L'archipel est entouré par l'océan. Ce n'est pas difficile d'imaginer le sort qu'ont subi ceux qui erraient inconscients sur l'île. L'arrivée des touristes aurait-elle apporté une malédiction sur l'île? Certains insulaires étaient opposés au fait que le Kagura de Rugetsu, cérémonie censée apaiser les âmes des disparus, deviennent une attraction touristique. Se pourrait-il que la cupidité de ceux qui ont fait d'une cérémonie sacrée un spectacle commercial soit la cause de ces étranges événements? Mort du dernier témoin. La dernière survivante de cet incident, une fillette, est décédée à l'hôpital il y a quelques jours. Avant de mourir, elle aurait murmuré « Maman ». Qu'a-t-elle bien pu voir à ce moment-là? Seule l'île, aujourd'hui déserte de Rugetsu, détient la réponse. Et si, c'est juste une question, et si on torpillait l'île? Ça pourrait être pas mal comme solution. Les Japonais, ils ont des sous-marins, non? Enfin, en 1980. Des médecins opèrent une fillette atteinte du syndrome sélénite. On peut lire la résignation dans leurs yeux. Je détecte des trucs, mais je... Oui, oui, oui. Des cheveux. Si je fais ça. Non, je peux pas faire ça. Voilà. Ok, enlève. Quelque chose est tombé à l'endroit où l'esprit a disparu. J'ai dit que je voulais pas, ça fait mal, mais demain, le docteur, il va me faire encore une opération. Ça m'a cassé l'opération. Encore une opération, demain une autre opération. J'aime pas les opérations, ça fait mal. J'aime pas les opérations, ça fait mal. La mort. Alors, Izuki Azagi, 6 ans. Heure du décès, minuit 32. Bah voilà, j'avais dit. Circonstances du décès, l'état de la patiente s'est brutalement dégradé après la seconde intervention chirurgicale. Les tranquillisants ont permis une brève accalmie, mais elle a été prise de délire en pleine nuit. Les médecins ont procédé aux soins d'urgence sans aucun résultat. La patiente est décédée quelques instants plus tard. Cause du décès inconnu. On peut penser que la mort a été provoquée par un affaiblissement dû à une aggravation soudaine des symptômes du syndrome sélénite. Ah oui, d'accord, donc... Genre, c'est même pas la cause de l'opération, quoi. Ils ont mis ça sur le dos du syndrome, quoi. Ok. Aïe, 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 aïe.
putain de... Vite, vite, vite. Ah, je l'ai pas eu. Alors, le Kagura de Rogetsu. Une fois tous les 10 ans, au cours du mois où partent les dieux octobre, une cérémonie appelée Kagura de Rogetsu se déroule sur l'île de Rogetsu. Ses origines sont incertaines, mais les habitants de l'île en ont perpétué la tradition au cours des siècles. Cette cérémonie est une manière pour les vivants d'entrer en contact avec les défunts et d'honorer leurs âmes. Une prêtresse appelée le réceptacle danse sur une musique jouée par 5 fillettes appelées les exécutantes. Les spectateurs portent tous des masques et tiennent des torches veillant au bon déroulement du Kagura. Le Kagura a longtemps été entouré par un voile de mystère, mais il y a 30 ans, il a été ouvert aux touristes. Le Kagura est un festival si important que tous les 10 ans, les natifs ayant quitté l'île reviennent parfois de très loin pour y assister. Ok, ça... Il y a plein de trucs qui ont été rajoutés au carnet. C'est pas mal, ça. Alors, personne... Un problème de régulation de cassissant du directeur ayant déjà exercé la médecine en métropole. Avait déjà exercé la médecine en métropole. Okay. Beaucoup de ressemblances avec les affaires dans lesquelles était impliqué Yuaibara. Disparition massive. Beaucoup d'insulaires ont trouvé la mort aux alentours du pavillon Rogetsu et les autres n'ont jamais été retrouvés. Alors. On dit que les gens nés sur l'île reviennent toujours à l'occasion du Kagura. Exécutante, réceptacle. Ah, la prêtresse qui danse hors du Kagura, elle porte un masque et danse au clair de lune dans un lieu spécifique. Elle est l'élément central du rituel. Pour le moment, on ne sait pas qui ça pourrait être. On sait que les filles... du coup, ce sont les 5 qui ont disparu et réapparu, là. Les exécutantes. Mais on ne sait pas qui pourrait être au centre, en fait, pour le moment. J'ai pu observer plusieurs cas de syndrome sélénite à la clinique Aibara. La première fois que j'ai vu un malade souffrant de ce syndrome, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Les pertes de mémoire provoquées par la maladie s'accompagnent d'une détérioration de la conscience de soi, ce qui entraîne à terme une destruction de la personnalité. Les maladies finissent par perdre complètement la mémoire. Les malades, pardon, finissent par perdre complètement la mémoire et ne présentent plus aucune réaction. L'issue est toujours fatale. La plupart des patients choisissent de sauter la vie avant l'apparition des symptômes les plus critiques. Voir ces patients brisés un peu plus chaque jour et dévorés à petit feu par la maladie est un spectacle absolument atroce qui vous fait frissonner d'horreur. Le docteur Aibara considère la maladie comme une pathologie endémique, mais il n'a pas réussi à en déterminer la nature ou à trouver un traitement efficace. Il privilégie un traitement médicamenteux, combiné à des interventions chirurgicales et inspiré de la médecine traditionnelle pour combattre la maladie. Mais c'est quoi comme intervention qu'il fait aussi ? Demain, j'espère en apprendre plus sur ces différents types de traitements. Parce que c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale, du coup, il fait quoi comme intervention ? Genre, il t'enfonce des pics dans le cerveau, c'est ça? Je sais pas ce qui vient de tomber ou bouger. Ah, peut-être dans les casiers. Thank you.
Je vois pas trop ce qu'il peut faire, hein, comme intervention, hein, si c'est une maladie mentale. Mais bon, ça coïncide bien avec l'époque. Hein. Lobotomie, hein, traitement par choc, tout ça, tout ça. Aïe 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 aïe. Oh. Que se passe-t-il? Oh la putain! Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a rendu aveugle? Il est là. Ah, espèce d'enfoiré, il me rend aveugle en fait, je crois. Je peux pas le détecter. Par contre, je l'entends. Lettre anonyme, je suis employé de la clinique Aibara et j'ai des révélations à faire sur la récente disparition des fillettes. J'ai entendu des voix d'enfants provenant du puits devant la clinique. J'ai d'abord pensé que mon imagination me jouait des tours, mais les voix se faisaient de plus en plus distinctes. Ce n'était... Pardon. Ce n'était ni des pleurs, ni des plaintes. Ces voix étaient comme vides. C'était elles, les cinq fillettes qui ont disparu. Je ne peux plus me taire plus longtemps. Si personne n'agit rapidement, il sera trop tard. Ces petits sont en train d'être dévorés au moment même où j'écris ces lignes. Où je vous en conjure, venez au plus vite fouiller cette clinique. Donc à la limite, ça serait le... l'assistant qui a écrit la lettre et qui l'a envoyée à la police. Bien sûr en anonyme. J'imagine. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'esprit qu'on a combattu? La fillette aussi. Elle se sentait seule car personne ne venait lui rendre visite. Ses longs cheveux sont tombés à cause des médicaments qu'elle prenait. Je suis assistant du docteur Aibara. Il mène des recherches sur le syndrome Selenite. Il est mort, accablé par la culpabilité d'avoir participé à des expériences illégales. Oh putain de merde! Putain de... Oh merde! Putain de sandwich, c'est pas vraiment le genre de sandwich que j'aime là. Plus jamais, parce que moi je faisais attention à la lampe là qui clignote. Je me suis dit, tiens, en fait j'allais le dire. Je me suis dit, tiens, il y a de l'électricité là-dedans. Juste au moment où elles sont apparues. Ah, j'ai envie de dire que pourtant j'ai fait le. J'ai bien fait le 5 en difficile. Je crois que c'était disponible la difficulté. Oh, il va. Mais celui-là, il est assez agressif avec les fantômes. Hein.
C'est assistant, ça. Ah putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils sont deux. Pas que t'éclos, hein, parce que quand ils éclosent, c'est relou. Complètement vidé. On en trouve jamais, on en trouve très très peu, hein, des, j'allais dire jamais, mais c'est pas vrai. On en trouve très peu des pierres spirituelles quand même. Je me demande si on pourra les échanger à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le carnet de poupées? Un peu le... Okay. Du coup, ça fait quoi les... Carnet de poupées. Dans ces notes, il est désormais possible de connaître l'endroit où se trouvent les poupées au vieux depuis la liste des esprits. La liste des esprits. Ah, bibliothèque, couloir menant à la cour, 102, lune resplendissante, ok. Ouais, donc ils vont mettre tous les lieux maintenant. Ça marche. Alors, Michi Iko, Ikushima. Insulaire très croyant, il croit en la légende selon laquelle ceux qui se réfugièrent dans la voie primordiale furent sauvés quand vint le jour de l'indolence. Ouais, lui, il avait pas l'air sympa quand même. Du coup, nous, c'est par là-bas. Par là-bas. Ouais. Ouais, je trouve les esprits très agressifs. Enfin, ils sont beaucoup en même temps, surtout. Alors... La lune et syndrome sélénite. Dans les cas légers de syndrome sélénite, les patients représentent des pertes partielles de mémoire et sont pris de crises de somnambulisme. L'une des particularités les plus remarquables du syndrome est que les symptômes varient en fonction des phases de la lune. L'état des patients se stabilise lorsque la lune est pleine, mais ils ont tendance à errer à la recherche du clair de lune. Au contraire, lorsque la lune décroît, ils paraissent terrorisés et instables.
C'est pourquoi autrefois le syndrome sélénite est appelé lunambulisme ou marche des possédés. Dans le cas les plus graves, les patients ont quasiment complètement perdu la mémoire et sont attirés par des fenêtres et des toits, comme s'ils étaient guidés par le clair de lune. Puis ils restent béats sous le clair de lune, comme si grâce à lui, ils retrouvaient pour un court instant tout ce que la maladie leur a pris. Ceux qui perdent la mémoire regardent toujours vers la lune. Des symptômes comme celui-ci peuvent apparaître chez des cas isolés, mais il est difficile d'expliquer comment il peut se manifester chez tout un groupe de patients. Ce syndrome étant propre à l'archipel de Roguetsu, il est possible que l'explication se trouve dans le climat ou les croyances de ces îles. Ouais, vous êtes tous fous, quoi.回りました。どうですか、気分の方は。顔が自分のものじゃないんです。違うんです。これは。それはどういう。鏡を見ていると、時々。いえ、わかりません。もう。見たくない。だから目を、薬の量を増やしましょうか。もう見たくないんです。妹だってそう言ってました。違う。違う。安心してください。必ず解放に向かいます。Je suis sûr que vous allez guérir. Ouais, vous inquiétez pas. C'est juste une phase, hein, c'est juste une phase, c'est comme les adolescents. Vous inquiétez pas. Du verme ligué, on se range dans une vitrine. Ah, elle est là, ta vitrine. Ah non, 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 non. J'ai du mal à voir comment est la salle là. Ok. C'est par là. Attends, nous on veut aller où du coup? Ah tiens, peut-être aller là, parce qu'il y avait des choses, je crois. D'objets partout. Chie Sonosaki, l'infirmière de garde, cherche la deuxième plaque pour ouvrir la boîte contenant la clé du bureau du directeur. Très bien. L'eau sacrée, c'est quoi? Ça remet toute la vie, c'est ça? Pourquoi c'est écrit en rouge? Vous avez trouvé une petite plaque ornée d'un dernier quartier de lune. Ok, ça marche. Toutes les portes sont rouillées, impossible les ouvrir. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi? C'est une sorte de laissez-passer? Genre une carte qu'on insère quelque part? Ouais, genre on l'insère par le bas là, comme ça? Ouais, genre une carte dans un lecteur? Si on dirait que ça marche comme une clé en fait, il y a c'est dentelé en bas. J'imagine.
かれる前に。Il y a le même problème que dans le 5, c'est-à-dire que quand on prend une photo, du coup ça s'affiche pas le texte quand il parle. On a vu qu'une partie du texte là. Le 5 avait exactement le même problème. Quand il y a des fantômes qui apparaissaient, si vous prenez la photo vite, du coup vous avez pas le texte. Alors l'assistant cache quelque chose que le directeur lui a donné dans une boîte aux gravures de Rogetsu. Il se demande ce que sont les cris qui viennent du bureau du directeur. Voilà. C'est quoi ça? Cette page. Oh là là, c'est beaucoup à lire à chaque fois. Les jours passent et nous poursuivons nos efforts pour trouver un traitement au syndrome sélénite. Les méthodes du docteur Aibara commencent à donner des résultats positifs, mais elles reposent de moins en moins sur des bases scientifiques. J'avoue que je suis perplexe. Il se fonde principalement sur les méthodes qu'il a lui-même mises au point et sur la médecine traditionnelle de l'île, inspirée par les légendes locales. Il y a surtout ces appareils étranges qu'il utilise. Je n'ai jamais rien vu de tel dans aucun hôpital. Ce qui me gêne le plus, ce sont les mots bizarres qu'ils utilisent ici. Ce ne sont pas des termes médicaux ou scientifiques. Par exemple, un des symptômes constatés chez patients à un stade relativement avancé de la maladie est la peur qu'ils ressentent à la vue de leur reflet dans un miroir ou à la surface de l'eau. Au lieu du reflet de leur visage, les patients semblent voir quelque chose de complètement différent. Dans le folklore de l'île, ce phénomène est appelé germer. Et c'est ce terme qui est utilisé au quotidien au sein de la clinique. Ouais, c'est quand ils éclosent après. C'est pour ça que leur visage genre, est tout déformé. J'imagine qu'ils commencent à voir ça et ils deviennent fous par rapport à ça. Les gens ont tout particulièrement peur d'un symptôme qu'ils appellent l'éclosion. Ben voilà, tiens, on en parle. Je ne sais pas en quoi cela consiste, mais à la seule évocation de ce mot, les gens sont pris de terreur. Il semblerait que c'est en voyant un visage germé, uniquement visible par le patient lui-même, que les patients germent à leur tour. Tout m'incite à penser que le phénomène n'a rien à voir avec la germination en botanique. On dit que quiconque voit le visage d'un patient souffrant de la maladie à un stade avancé entre en résonance avec celui-ci et contracte le syndrome. Est-ce de cela dont il parle? Putain, j'ai mal à lire les phrases des fois. C'est difficile à concevoir, mais il se pourrait qu'il existe une forme contagieuse du syndrome sélénite. Et quel genre de traitement est-ce ce rite du retour que le docteur m'a demandé de préparer à partir de demain? Que dois-je faire? Je suis très inquiet. La lumière du bureau du directeur clignote. Y aurait-il quelqu'un là-bas? Oh la putain de... Ça va être relou. Ok, donc faut le repousser en fait pour annuler l'effet d'aveuglement là. D'accord, on est chargé.
Encore un cliché. Pas encore une attaque. Je tourne un peu la caméra des fois pour écouter en fait s'il est toujours dans cette direction ou pas. Mes couilles, des vieux livres sont rangés sur l'étagère. Ils devaient servir à mener des recherches. Boîte à la gravure droguée dessus. Une boîte décorée d'une lune brumeuse. Une sorte de mécanisme empêche de l'ouvrir. Elle présente deux fentes et des gravures d'un premier et d'un dernier quartier de lune. Ben voilà, on a trouvé. Mais je peux rien faire avec. Ouais, non, il faut sûrement. La première clé. On augmente la puissance. Elle se vide assez vite, hein. Elle met du temps à recharger la lampe. C'est un peu le problème que j'ai. Donc on nous a dit le bureau du directeur, c'est ça? Je sais pas exactement où c'est. Bureau du directeur. Ben voilà. C'est lui le directeur? Aibara passant devant la porte. Si on voit Aibara, ça veut dire qu'il est mort. L'homme qui a bâti le pavillon Rugetsu. Ah, c'est peut-être le père, ça. Et c'est dédié corps et âme à ses recherches sur le syndrome Séni jusqu'au point de non-retour. Shigeto Aibara. Je suis sûr que si je regarde les archives... Du syndrome Séléni, germé avec le centre, c'est quoi ça, le rite du retour? Oui, le rite du retour, il faut qu'on apprenne. Alors, Shigeto, c'est le mec, directeur de la clinique Aibara et du pavillon Rugetsu. Et nous. 27 ans. Oui, ça, c'est son fils. Je sais, mon implication présumée dans la mort de 3 patients lors d'opérations chirurgicales contraintes à toute déontologie. Oui, c'est lui, ouais, ok, ça va. Jouer d'une énorme influence sur la région, fournit peut-être un soutien financier à son fils. Son père, Shigeto, dirige cette île ainsi que l'hôpital. Ouais. Ok, ça marche. Donc ça, c'est le père. Qu'on a vu. On sent un souffle d'air froid qui semble venir de dernière bibliothèque. Okay. Genre, il y a quelque chose derrière la bibliothèque. Alors, je suis issu d'une famille dans laquelle le titre de grand prêtre se transmet de génération en génération. Mais en tant qu'homme de science, je me trouve confronté au syndrome sélénite. Tout en préservant les enseignements de mes ancêtres, j'ai bâti une clinique pour accueillir les malades souffrant du syndrome sélénite et mener des recherches sur cette pathologie. Il est de mon devoir d'étudier ce syndrome en combinant science et tradition. Autrefois, les habitants de cette île avaient une manière bien à eux d'élucider les mystères de l'esprit. Les masques de Kagura en font partie.
En revêtant son masque et en écoutant la musique, le réceptacle perd son identité. Quant aux exécutantes, leur masque leur permet de garder un rythme régulier. Porter un masque stimule diverses régions du cerveau humain. C'est un phénomène tout à fait passionnant. Les masques sont un outil très efficace pour explorer la possibilité du cerveau. Ils sont la clé vers des domaines encore inexplorés. L'un de ces territoires est la forme ancienne, non, la forme originelle du Kagura de Rogetsu, le rite du retour. Ce rite est un moyen très efficace de sonder les abysses les plus profonds de l'esprit. Cependant, le rite du retour a été interdit sur l'île il y a fort longtemps, car il est à l'origine de la terrible catastrophe qui a frappé l'île. Donc j'imagine qu'il a, je sais pas, il a voulu le refaire. Les légendes entourant ce désastre sont terrifiantes, mais pour venir à bout du syndrome sélénite, nous devons avoir le courage de braver ce tabou. Les éclipses de lune ne se produisent qu'une fois tous les 10 ans. Nous ne pouvons laisser cette... quoi ? Pouvons laisser passer cette chance. Le temps nous est compté. Évidemment. Ta mère la... Ouais, il y a une porte derrière. Ouais, il y a une porte. On voit là. On sent un souffle d'air froid qui semble... Oui, mais bon, fais quelque chose. Je sais pas, pousse, casse. Mets un coup de pied. Un interphone équipé d'un pavé numérique est posé sur le bureau. Cherchez les indices laissés par le directeur. Là, le papier, là. Non. Ah! Comment on fait pour... Faut que ça devienne bleu. Ah, voilà. Il y a sûrement un code à rentrer et ça nous permet d'ouvrir. D'ouvrir le passage. C'est un peu étrange parce que le pavé numérique là en fait je l'ai un peu trouvé par hasard, ça me mettait pas de point bleu. Donc faudrait que je fasse peut-être un peu plus attention en fait. Pas que je me repose juste sur le... Sur le fait que y a la lumière bleue qui s'affiche. Bon, on va sortir, il va peut-être se passer un truc. Bon, on est à la recherche d'un code. Ou alors, une deuxième tablette, là, de lune. Qu'est-ce qui se passe? Assistant derrière la grille. Lors son arrivée sur l'île, c'était un honnête médecin, mais il a été aspiré dans un monde étrange. Ah ! Premier quartier. Vous avez ouvert la boîte grâce aux clés. La boîte renferme un morceau de papier, une série de chiffres et quelques
vers d'un poème sont inscrits dessus. Alors, putain, je vais devoir prendre des photos. Attendez, je vais le prendre en photo, comme ça je l'aurai tout le temps à côté de moi, qu'on n'a pas besoin d'aller 30 fois dans l'inventaire. Ok, alors bureau du directeur 438-951, et après ça fait un résultat. 2 fois 7 jours de nouvelles à pleine lune. Une nuit de plus, un carré sans lacune. What? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attends. Qu'est-ce que ça veut dire, ce machin? Par contre, je veux juste voir si on peut pas augmenter... Deux fois 7 jours de nouvelles à pleine lune. Ah, je viens de... j'ai fait une pause. J'ai dû faire une pause parce que j'ai dû prendre des médicaments. Et je suis allé regarder aussi la Solus. Et du coup, j'étais sur la carte. Et on peut voir que maintenant, il y a des sortes d'esprits qui sont sur la carte. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc... j'ai regardé. Alors j'avoue que c'est... ça aide pas vraiment, honnêtement, la phrase en rouge. Donc je vais vous expliquer en fait comment trouver le code. Donc ça nous dit... 2 fois 7 jours de nouvelles à pleine lune. Une nuit de plus, un carré sans lacune. Alors, 2 fois 7, on peut mettre ça déjà. Et après il faut trouver le troisième chiffre en fait. En gros c'est ça. Parce que si on prend 4, 3, 8, ça fait 15. 9, 5, 1, ça fait 15. Donc, il faut faire 15. Donc, 2, 7, et après, il ne reste plus que 6 pour faire 15. Donc, voilà, c'est 2, 7, 6. C'est un peu étrange, parce que, bon, 2 fois 7 jours de nouvelles à pleine lune. Bon, 2, 7, à la limite, on peut comprendre ça. Et après, une nuit de plus, un carré sans lacune. Je sais pas. J'arrive pas très bien à comprendre en fait la phrase en fait pour donner vraiment un indice. C'est très bizarre. Enfin pour moi je trouve que c'est bizarre. Pourtant j'en ai fait hein, entre Silent Hill, Resident Evil et tout ça. Mais là j'avoue que le bruit venait de par ici. Je pense que j'aurais trouvé au bout de peut-être sûrement plusieurs jours honnêtement. En tout cas, on est reparti. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Nanda. Coucou. Nanda. Ouais, on est en mode caméra, ça va. Ça s'est refermé derrière moi, c'est bon signe ça. Très bon signe, dis-moi. Oh la putain de merde. Wow, 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 wow. Oh non! Il a éclos. Ouais. Merde, ça a pas marché.
Ok. C'est un peu compliqué avec la torche de savoir si... Ah bah tiens. Si on l'a vraiment dans la mire en fait ou pas. Ah, lâche-moi toi. La maquette porte un étrange dispositif percé de nombreux clous. Ok. Vieille machine assez inquiétante s'est posée sur le lit. Le docteur Aibara, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Pouvait bien faire ici. Ah. Le syndrome sélénine, neurochirurgie. Bah, je crois que quand je disais lobotomie, mettre des clous dans le cerveau et tout, on n'en est pas loin. On n'en est vraiment pas loin. Rapport sur le syndrome. Actuellement, la méthode de traitement la plus prometteuse est la chirurgie. Elle prend la forme d'ablation de certaines régions du cerveau ou de stimulation directe de celui-ci. Dans les premiers temps, nous avons rencontré d'énormes difficultés, le traitement restant très expérimental, mais des résultats positifs ont commencé à apparaître. J'ai l'impression que le jour où nous mettrons au point un traitement efficace est proche. Néanmoins, il y a eu un cas récent où l'opération chirurgicale semblait avoir réussi, mais dont l'issue s'est avérée tragique. Le patient, devenu complètement amnésique, n'était plus qu'une coquille vide. Il est mort et son visage semblait étrangement déformé. On a immédiatement... moissonner son visage. Était-ce les prémices de l'éclosion? Immédiatement moissonner son visage, ça veut dire quoi? Était-ce les premières prémices de l'éclosion? Genre dans le contexte, là, genre moissonner le visage, comment on fait ce, quoi? Nous poursuivons nos recherches concernant... J'ai peut-être pas envie de savoir en fait. Nous poursuivons nos recherches concernant les procédures chirurgicales, mais il faut absolument empêcher les patients d'éclore. Cette catastrophe, le jour de l'indolence, dont il est question dans les légendes de l'île, nous ne pouvons pas laisser une telle tragédie se répéter. Okay. Tout le monde avait peur de l'éclosion. Le lit équipé d'épaisses lanières de cuir et en maculé de taches de rouge, ouais. Aïe, que du fun ici. En plus, il y a un gramophone juste à côté, donc ça coïncide avec le fait que apparemment il faisait du traitement avec de la musique aussi. Waouh, on peut aller encore plus bas, ok. Ah mais c'est tout petit, il faut pas être claustrophobe. Hein. Qu'est-ce que c'est? Mon dieu. Couloir est obstrué par un éboulement. Attends, il y a un objet là? Ah oui. Objectif focus. Vous permet d'effectuer une puissante attaque sur un esprit. Je vais voir un peu. Donc voilà, maintenant on a... Non. Ok. Donc maintenant, ça c'est pour prendre des photos. Pour les fantômes normaux. Et après, on a l'attaque spéciale. Ça marche.
このエレベーター、ここに繋がっていたのか。De toute façon, il l'a déjà pris s'il a trouvé les filles, donc il doit savoir. Et voilà. Il est courageux, le mec, quand même. J'imagine que c'est la fin du de la phase. Le jour enfoui, terminé. Bah du coup on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Faudrait que je fasse par phase en fait. Je pense que ça serait pas mal. Bon après je sais que dans les épisodes par exemple du 5e, certains étaient très courts, certains étaient très longs. Enfin ça dépendait. Donc bon, ça sera peut-être pareil. Mais ouais, on va s'arrêter là. Et bah c'est cool. Et bah c'était cool honnêtement. Donc on va continuer la prochaine fois. Ouais, il y avait un peu le puzzle qui m'a un peu perturbé là. Je trouvais que ça a pas trop, ça avait pas trop de sens en fait. Mais bon, peu importe, on l'a passé. Les combats sont chauds quand même. Les combats sont très chauds. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao ciao.